de rester fidèles à ce programme de la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le Ghana est désormais pays membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. De ce fait, il a plaidé sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, qui sera à l'ordre du jour à la réunion de haut niveau qui se tiendra en novembre prochain à New York. Ces assurances sont du président ghanéen à son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Depuis le parvis du Jubilee House d'Accra au Ghana, un invité de marque a fait son entrée ce jeudi 20 octobre 2022 dans ce palais présidentiel. Exécution des hymnes nationaux et honneurs militaires, le président de la République démocratique du Congo est en visite officielle. À la porte vitrée où l'attendait son homologue de la République du Ghana, l'accueil était chaleureux. Monsieur le Président. Pour immortaliser ces instants, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a invité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à poser pour la photo officielle. Après la présentation des officiels des gouvernements du Ghana et de l'RDC, les deux chefs d'État se sont retirés pour un tête-à-tête d'une dizaine de minutes. Les entretiens se sont par la suite élargis en réunion bilatérale avec les collaborateurs respectifs. Des questions de coopération entre les deux pays ont été traitées. Par la même occasion, le président Tshisekedi a remis sur la table des discussions la question sécuritaire dans l'Est de la RDC, étant donné que le Ghana est d'ici le mois prochain membre non permanent du Conseil de sécurité. Il s'est agi essentiellement de développer la situation de l'Est du pays, la situation sécuritaire de l'Est de notre pays, parce que le Ghana est prochainement, au mois de novembre, membre non permanent du Conseil de sécurité. À ce titre-là, il y aura une réunion le 10 novembre à New York, réunion de haut niveau, et le président ghanéen a marqué tout son soutien au processus de pacification de l'Est. Il l'a mis à l'ordre du jour de cette réunion de New York, la situation sécuritaire à l'Est du pays. Avant de prendre congé de son homologue, le chef de l'État congolais a été convié à apposer sa signature dans les livres d'or de ce palais. Les deux dirigeants sont convenus de se rencontrer en novembre prochain à Sharm el-Sheikh en Égypte lors de la COP27 pour faire avancer la cause de l'environnement en Afrique. Les réalités socio-professionnelles, les difficultés dans l'octroi des passeports et la situation de la femme vivant au Ghana sont là quelques préoccupations de la communauté congolaise vivant au Ghana, soumise au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Guylain Kabalundi, reportage. C'est un auditoire chauffé à blanc qui a salué l'entrée du président de la République à l'occasion de sa rencontre avec la communauté congolaise vivant au Ghana. Après son mot de remerciement pour l'accueil lui réservé, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordé la parole à ses compatriotes pour se faire une idée de leurs préoccupations. Outre les réalités socio-professionnelles auxquelles ils sont confrontés au quotidien, ces représentants de la diaspora congolaise ont également présenté les difficultés liées à l'impression des passeports congolais, celles relatives à la localisation de l'ambassade de la RDC à Accra, l'allègement des conditions d'octroi des documents académiques et enfin la situation de la femme congolaise vivant au Ghana. À ces quelques doléances, le premier citoyen de la RDC a apaisé les esprits. Bon, normalement, la seule chose au bisotokoi que ça les alli koso lana ba konzambo koyo, ko attirer attention na bango. Mais bango pe bako koka ko landela maman nyon soyo a outi Congo te po ba e bagazan de genini. Yango to zwa ki ide na ambassadeur to kani boy na ebisi zwa azwa avocat moko rozala. Il y a Ghanéen, bien sûr, mais Azali, donc affecté na ambassade Nabiso, a foutami na ambassade Nabiso, pour Nabaka, il y a ba compatriote Nabiso. Comme ça,
comme ça bino bino banso do bo pesa na kaba message wana soki li kambo ezui moko na bino bo kimimba ku na ambassade ambassade ezalinda ko na bino ezalimbo kanabiso. L'incontournable question sécuritaire n'a pas été éludée. Le président Tshisekedi a expliqué pourquoi jusqu'à présent il privilégie la voie diplomatique pour résoudre le problème de l'agression dans l'est de la RDC. Koluka lisolo koluka kokena na makamu na malembe ezali kozala faible teza koza yuma te ndenge tolobana kikinwa. Toza ba yuma te. Toboinde ba nzela wana parce que esenga ka ba moyen belé biso to bando to ngamboka. Kotongezo monana, mbongo ebandiko bima ebele. Bisika nyonso bazaka koyiba tozo kanga muke, boyoki ke budget, tango mbinga na yaki, budget na mboka na biseza yi 4 milliards. Lelo yo, na tango tokosi sabo landa boyoka, ekozala autour ya 15 milliards. Ce contact direct avec cette communauté congolaise, le président de la République a fait savoir qu'il n'est pas le dernier et c'est sur ces entrefaites que le chef de l'État a bouclé sa visite officielle au Ghana. Autre actualité, c'est la recevabilité à l'Assemblée nationale du projet de loi portant reddition de compte de la loi des finances exercice 2021. Eh bien, ce projet est transmis à la Commission économico-financière et contrôle budgétaire pour toit d'étage, nous dit Sylvie Moembo. 8 heures après, la vice-ministre de Finances, Onège Nselemipa, s'est présentée devant la représentation nationale pour répondre aux préoccupations soulevées lors du débat général sur le projet de loi portant reddition des comptes de la loi des finances exercice 2021. Selon la vice-ministre de Finances, en dépit de l'existence de plusieurs chaînes de dépenses, notamment les dépassements de crédits aux allocations des finances, le gouvernement Samalou Kondé reste toujours préoccupé par le bien-être social du peuple congolais. Onège Nselemipa a expliquer aux élus du peuple les causes du dépassement budgétaire pour l'exercice 2021. S'agissant des chiffres avancés, il convient de relever. Pour la route Kindele, qui a connu un début d'exécution en 2021, les 3 milliards de francs congolais ainsi évoqués ont concerné les travaux anti-érosifs dont les fonds avait été décaissé en novembre 2021 et la suite devrait intervenir en 2022. Étant donné que d'une part, les effets cumulatifs de l'ensemble de ces efforts sont supérieurs aux affres du Covid-19 et d'autre part, l'état de siège s'est révélé bénéfique quant à ses externalités sur la mobilisation des recettes dans les provinces concernées, cela ne pouvait qu'accroître nos recettes. Après ces éclaircissements, les députés nationaux, sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga, ont déclaré recevable le projet de loi portant reddition des comptes de la loi des finances exercice 2021. Le texte est renvoyé à la Commission économico-financière et contrôle budgétaire pour toilettage. Le retour de la paix et la sécurité sous état de siège dans la province de l'Ituri, une préoccupation des chefs traditionnels de ce coin du pays exprimée au chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé. Patti Tondongo Kizonda, reportage. Relever les problèmes liés à l'activisme des groupes armés dans la province de l'Ituri et proposer des pistes et des solutions pour le retour d'une paix durable dans cette province sous état de siège, matière abordée lors de la rencontre entre le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge et une délégation des autorités traditionnelles de l'Ituri. Ces gardiens de la tradition ont également plaidé auprès du chef du gouvernement pour l'accélération du programme de démobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilisation et l'augmentation de l'effectif des militaires dans leur province. Nous tenons à remercier Son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de sa disponibilité de nous recevoir. Nous sommes venus juste lui présenter la situation sécuritaire de l'Ituri et faire certaines recommandations pour qu'il y ait une stabilité donc sur l'ensemble de la province de l'Ituri. Il faudrait ouvrir une voie de dialogue qui va aider la communauté iturienne de la sortie des crises
pour que la paix revienne sur toute l'étendue de la province territoriale. James Katalo, chef coutumier du secteur des Bahama Sud, a loué l'essence d'écoute du chef de l'exécutif national qui a recommandé à sa délégation la sensibilisation des entités des bases de l'Ituri sur la paix. Un nouveau bâtiment dans la province de Tanganyika pour la police nationale. Il a été inauguré par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité nationale. José Baïtombo, reportage. Plus de 5 km de route sablonneuse, voilà la distance parcourue par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, pour inaugurer ce nouveau bâtiment de la police nationale congolaise, ici, dans le groupement Moni, province de Tanganyika. Cet édifice de plus, qui restera marqué en gras dans son bilan, vient d'agrandir les nombres d'infrastructures de la police dans ce coin. La relation qui unit UNPOL à la PNC a permis jusqu'ici à UNPOL d'accompagner de façon efficiente la PNC dans sa politique de changement stratégique articulée autour de 4 piliers centraux dont la ressource humaine, les équipements et les infrastructures. Constitué de 5 locaux, ce bâtiment va abriter le service d'audit, d'enquête et d'évaluation des unités et services de la police. Daniel Asselo Kitoakoy a invité les autorités provinciales à une coordination de tout le service de sécurité pour assurer la protection de la population et leurs biens. Je vous invite à travailler efficacement avec l'antenne provinciale de l'inspection générale de la police nationale congolaise afin de garantir à nos paisibles compatriotes une bonne sécurité. Considérez cette structure comme étant les bras séculiers de votre commandement. Après avoir coupé personnellement les rubans symboliques et aussi donné le premier tour de clé de ces bâtiments devant plusieurs personnalités de ce coin avec en tête Julie Ngongwa Mwayuma, chef de l'exécutif provincial, Daniel Asselou était le premier à découvrir la beauté intérieure de cette architecture qui sera équipée très prochainement par les PNUD. L'RDC est désormais validée au processus ITIE international avec une cotation de 85,5%. À ce jour, elle est comptée comme pays de haute transparence. Peggy Mukunda nous en parle. La bouteille de champagne sablée, les gestes annoncent la célébration de la validation de la RDC au processus ITIE. Avec un goal de 85,5%, l'ITRDC vient de valider les pays dans la mise en œuvre de la transparence. Cette cote élevée, c'est un motif de fierté. Notre pays a toujours généralement été considéré par le passé comme un pays où le taux de l'opacité, le taux de corruption est assez élevé. Ce bon score va nous permettre de consolider notre position, notamment avec les institutions financières internationales, qui se basent aussi sur notre manière de faire, notamment dans la publication des rapports et de tout ce que nous avons comme accord avec les partenaires qui œuvrent dans les secteurs miniers, dans les secteurs hydrocarbures, des secteurs forestiers. Conscient de cette consécration de la RDC devant les quotas miniers internationaux est un défi relevé pour la bonne gouvernance de la gestion des ressources naturelles dans le secteur extractif. Par cette occasion, à féliciter le président de la République qui est à la charge pour cette option d'être un pays transparent et de lutter contre la corruption et les mauvaises pratiques. Féliciter le gouvernement, le Premier ministre en tête, et féliciter l'ensemble du comité exécutif, sans oublier le coordonnateur national. Un pari gagné, fruit de la conjonction des efforts des parties prenantes au sein du comité exécutif de l'ITIE. Le forum minier tenu à Kinshasa a fermé ses portes sur une note satisfaisante. Les experts du gouvernement, les opérateurs économiques et les membres de la société civile ont évalué ce secteur minier. On fait le point avec Mireille Ndeke.
Sous la direction de la FEC, les acteurs œuvrant dans le secteur minier se sont livrés durant 3 jours à un exercice citoyen, celui d'évaluer les 10 secteurs dans son ensemble à travers une analyse du niveau de la mise en œuvre des instruments juridiques qui régulent le secteur de mines, à savoir le code minier et ses mesures d'application. À l'issue de ces assises, plusieurs recommandations ont été formulées. S'agissant de l'envahissement des périmètres des droits miniers et de carrières qui sont exclusifs, il y a lieu d'accélérer la création de plusieurs zones d'exploitation artisanale viables et élaguer le point E de l'article 30 du Code minier par rapport à l'industrialisation du secteur minier. Il faut insérer dans le règlement minier des dispositions fixant le contenu du plan d'industrialisation ainsi que les modalités de dépôt d'instruction, d'approbation et de suivi de ce plan. Le président de la Chambre de Mines, Louis Watoum, reste très marqué de la dynamique participative de tous les acteurs impliqués pour la résolution des différents problèmes qui gangrènent ce secteur. Nous voici arrivés au terme de 3 jours d'échanges fructueux en vue d'assurer un secteur minier plus performant et créateur de richesses. Je formule ici le vœu le plus ardent que notre gouvernement de la République, soucieux du bien-être congolais, ainsi que toute partie intervenante, puisse s'employer à traduire en actes les résolutions issues de ce forum. Défi relevé par la ministre de l'Économie, représentée félicite de toutes les initiatives prises et envisagées dans le sens d'améliorer la gouvernance du secteur et la préservation de tous les acquis consensuels. Processus électoral, l'opération d'identification et enrôlement des électeurs. La CENI a lancé hier la campagne de sensibilisation quant à ces deux opérations. Devant les représentants des deux chambres du Parlement, du corps diplomatique, des organismes internationaux et des médias, le président de la Commission électorale nationale indépendante déclare. Votre présence est sans nul doute la manifestation de votre engagement à accompagner le processus électoral et y participer. Ce processus connaîtra en décembre le lancement de la révision du fichier électoral. La CENI est décidée à tout mettre en œuvre pour accomplir la mission légale qui lui est confiée. Pour y parvenir, la CENI a développé 2 outils essentiels. Il s'agit de la feuille de route du processus électoral 2021-2027, publié le 3 février 2022, et le plan stratégique et opérationnel 2022-2026, adopté au mois de janvier dernier. Denis Kadima Kazadi a procédé au lancement officiel ce vendredi 21 octobre 2022 de la campagne de sensibilisation sur l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Il a au cours de cette cérémonie sollicité l'implication des parties prenantes au processus électoral dans la mobilisation de la population congolaise d'ici et d'ailleurs. Explicitant ses propos, le président de la centrale électorale a mis en avant dans cette démarche l'étroite collaboration entre son institution, l'Office national d'identification de la population et l'Institut national des statistiques, annonçant ainsi le calendrier électoral à venir. Auparavant, le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manaralinga, a dans son mot d'ouverture fait savoir que la sensibilisation sur chaque opération est une activité indispensable pour la réussite du processus électoral que tout le monde souhaite inclusif et transparent. À cette occasion, une caravane motorisée a sillonné les grandes artères de la capitale Kinshasa, caravane à grand renfort des messages en vue d'une large vulgarisation. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabuya, était face à la presse dans la ville de Kisangani. L'actualité brûlante de l'heure était au cœur des échanges avec la presse, nous dit Alain Bikay. La presse burundaise a été aussi honorée par le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabuya, en acceptant son invitation pour une conférence de presse. Plusieurs questions sans tabou ont été abordées au cours de cet échange avec la presse locale. C'est notamment la santé de son parti, la polémique autour de la mobilisation de son meeting et le développement de cette province. Sans embâge, le numéro 1 de l'IDPS a tenu à fixer les esprits sur ses propos mal interprétés par certaines officines politiques
en perte de vitesse. Si la province est dans cet état, c'est par rapport aux gens que vous avez confié la responsabilité. J'ai parlé des régimes passés. Vous voulez encore que je vienne faire des promotions pour ces gens-là, pour que je ne parle pas des pièces de rechange? Je n'ai pas de pièces de rechange des gens qui peuvent faire confiance en 2023 quand il y aura élection. C'est de cela que je parle. Puisqu'auparavant, nous n'étions pas au pouvoir. Maintenant, nous sommes au pouvoir. Nous avons trouvé toute la province détruite. Mais vous voulez qu'on dise quoi? À la question de développement de cette province, Augustin Kabuya précise que le projet de 145 territoires initié par le chef de l'État vient combler ces manques criants des infrastructures de base. La solution au problème de la population de Tchopo trouve sa réponse dans le programme de développement des 145 territoires. Concernant la polémique autour du pasteur Moulindwe, invité pour la prière des circonstances, Augustin Kabuya répond que dans toutes les manifestations de son parti, les hommes de Dieu ont toujours été associés. Il n'y avait pas seulement les pasteurs dont venait d'évoquer les noms, il y avait d'autres confessions religieuses. Vous-même, vous étiez à la place des meetings, vous avez vu qu'il y avait une couche de la population qui était vraiment très pressée pour que je parle, qui voulait empêcher à l'homme de Dieu de ne plus même prier. Et j'étais obligé de me tenir debout pour calmer cette population et dire non, moi en tant que chrétien, j'ai invité les hommes de Dieu pour qu'ils prient pour moi. Je ne sais pas quel est le péché que j'ai fait. Si j'avais amené encore un féticheur, on allait me dire que non, voilà, au lieu d'amener même les hommes de Dieu, lui s'est fait accompagner par des féticheurs. C'est par cet échange avec les hommes des médias que le secrétaire général a bouclé son séjour dans la ville de Kisangani. Arrivé à Kinshasa, l'envoyé politique de Félix Antoine Tshisekedi a été surpris par une mobilisation tous azimuts organisée par la Fédération de la Tchangou. Au ministère des médias, de la communication et médias, le directeur de cabinet du ministre a échangé hier avec le responsable de télédistributeur et le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise sur la redevance. C'était à 17h30 au cabinet du ministre de la Communication et Médias que le DGAI de la RTNC a signé ses protocoles d'accord avec trois télédistributeurs sur la redevance audiovisuelle en présence du directeur de cabinet du ministre Patrick Muyaya. Au nombre de absences en justification figure le groupe Canal+. Triste est de constater une fois de plus que Canal+, comme dans ses habitudes, prend la peine soit d'échanger des interlocuteurs, soit de s'absenter sans aucune raison bien précise. Nous avons envoyé, nous avons écrit, Canal+ n'a ni répondu ni appelé pour présenter des excuses à cette réunion. Maître Nicoli Anza a précisé que plus de 80% de télédistributeurs opérant en RDC n'y sont pas en règle. Et vous serez choqués de voir que l'ensemble des télédistributeurs, pour ne pas dire la quasi-totalité, plus de 80%, ne sont pas en règle. En premier lieu, Canal+. Et la République démocratique du Congo, avec le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la direction de Sama Lokonde, le Premier ministre, et le travail de son Excellence Patrick Muyaya, les choses ne se feront plus comme avant. Le directeur de cabinet représentant le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a précisé que la République se prendra en charge pour faire appliquer la loi en cas d'un refus de s'y mettre à l'ordre. Dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, nous apprenons le lancement des connexions dans les universités. Précision avec Iverson Kaboba. Pour honorer la promesse du chef de l'État faite aux étudiants sur l'installation du Wi-Fi gratuit, le gouvernement de la République vient de lancer la connectivité à l'enseignement supérieur et universitaire grâce à la carte SIM Academia d'Airtel qui donne un accès libre à des ressources pédagogiques et aux articles scientifiques. Pour le ministre de l'ESU, Moïse Ndounzangi, les étudiants vont accéder à toutes les ressources numériques, y compris la bibliothèque numérique. Ceci traduit la volonté du chef de l'État qui tient à l'amélioration substantielle de la qualité de la formation. C'est une promesse du chef de l'État tenue. Je voudrais vous dire ici que pour accompagner les LMD, qui est très exigeant en matière de recherche, en matière d'accès aux ressources pédagogiques, nous avons voulu accélérer l'lancement de cet outil ici à l'ISC et nous sommes très heureux de retrouver un cadre qui se métamorphose par des actions qui sont posées par les DG. On les remercie à passant et on vous dit que maintenant les étudiants ont
accès aux ressources, ont accès aux bibliothèques. Et donc, il n'y a plus de motifs pour ne pas faire la recherche. Il n'y a plus de motifs pour vendre des syllabus. Il n'y a plus de motifs pour prétendre qu'on n'a pas accès à la bibliothèque pour faire les LMD. Cette grande cérémonie cadre aussi à la coupure du ruban symbolique des nouveaux bâtiments administratifs par le ministre de l'ESU, Moïn Ndounzangui, en présence des différents chefs d'établissement de l'ESU, ainsi que les étudiants de l'ISC. Merci. Parlons tourisme et environnement, un parc 100% naturel rouvre ses portes au public de ce week-end. Samedi et dimanche sont organisés au parc Mbombo-Loumené. D'abord le rallye de régularité qui seront effectués par les amateurs et d'une part le rallye sportif avec les professionnels de course. Emmanuel Arc, commissaire reportage. Ces véhicules de sport de vitesse exposés au cercle de Kinshasa ont souffert de manque de compétition et la savane de Mbombo-Loumené, elle, est restée silencieuse, loin des vomissements de moteurs pendant près de 2 ans. La crise sanitaire due au Covid-19 qui a mis le monde sous cloche, serrée à la base, l'orage passé, le rallye reprend dès ce week-end. C'est un rallye qui se décline en deux phases. La première qui est réservée aux touristes. Donc voilà, monsieur, madame, tout le monde avec les enfants peuvent venir participer, prendre part à ce rallye. Pour eux, évidemment, les règles ne seront pas identiques à celles d'un rallye classique de vitesse. En deuxième phase, nous aurons un rallye classique de vitesse avec des véhicules de type buggy tout terrain. Et là, c'est vraiment un rallye de vitesse où le premier sera celui qui ira le plus vite. Nous sommes à près des 130 km de Kinshasa, dans une surface de 350 000 hectares à la frontière entre Kinshasa et Bandundu. C'est la fondation Mbombo-Loumené s'est associée à l'écurie Panthère pour qu'en associant aussi les sponsors, donc nous allons profiter de ce rallye pour que les retombées avec les sponsors puissent être reversées dans les activités de préservation de la nature. L'adrénaline monte. Compétiteurs et publics s'attendent à une belle expérience. J'ai fait régulièrement des routes en terre en jeep. Je pense que ça ne posera pas de problème et ça ira. Mbombo-Loumené et ses paysages somptueux dans lesquels la nature s'exprime sera au cœur de sport de vitesse. La question sur la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo a mis les responsables du programme alimentaire mondial en face de la presse quinoise. Par la même occasion, les jeunes ont été sensibilisés à faire de l'agriculture une priorité. Mamita Bangolo. 115 000 âmes congolaises sont concernées par ces premiers projets de lettres contre la faim en RDC. Cette initiative d'IPAM qui attend de servir une commune urbano-rurale face à la presse, l'expert du PAM a apporté cet éclairage. Le PAM, comme les autres agences qui sont de l'extérieur, appuie le gouvernement du Congo. Et souvent, il appuie avec des financements qui viennent donc de bailleurs de fonds. Pour différentes raisons, des bailleurs sont intéressés par des parties, des zones, des types d'intervention qui ne permettent pas de faire tout et partout. Souvent, c'est des pilotes, des initiatives qui peuvent permettre au gouvernement de voir qu'avec telles ressources et avec tel type d'accompagnement technique, on peut obtenir tel résultat. Donc le PAM peut toujours aller ailleurs, mais déjà ça couvre beaucoup de territoires, quasiment toute la région de l'Est, les Kassai. Donc c'est déjà beaucoup. Le PAM a recommandé au gouvernement provincial de Kinshasa d'instaurer un système adapté aux enfants et aux femmes. Le PAM est en train de commencer des activités que l'on appelle inclusion digitale et financière qui vont permettre, donc sur le plan financier, permettre aux gens déjà dans un premier temps d'épargner et puis aussi d'avoir accès à des méthodes de crédit qui sont adaptées et disponible pour cette frange de la population. L'association villageoise d'épargne et de crédit dans différentes zones de la NCD. Les PAM s'investit dans des activités connexes ayant des liens avec la réponse aux crises, à la consolidation de la paix et situations d'urgence. Ainsi, les jeunes ont été sensibilisés par le chef Clister Sécurité Alimentaire à faire de l'agriculture une priorité. Atacha Kimbembi, Machini, Mamita Bangoulou ont réalisé ce journal. La partie technique a été assurée par Redan Poi, Joseph Nzebo, Émile Zola. L'actualité revient à 13h30. D'ici là, portez-vous bien.